Ouais. Bon, donc avant peut-être d'avancer le cours, peut-être corriger les exercices. Donc, il y a ce qui était à faire pour aujourd'hui. À savoir, donc là, il y avait le numéro 9 et le numéro 11. Donc, alors, le numéro 9, ça commençait à calculer les 5 premiers termes de la suite UN définie par. Dans le petit temps là, dans UN égale 1 sur N carré. Moins 7 sur n, avec n qui appartient à n étoile. Oui, parce que effectivement, vous vous doutez bien je peux pas prendre n égale 0 dans ce cas là donc là c'est quand on a le terme général et on veut calculer le terme de suite. Donc voilà, on calcule U1, on remplace n par 1, ça fait 1 sur 1 au carré moins 7 fois 1, donc ça fait 1 moins 7. Ça fait moins 6. U2, ça fait... Même quand je suis tout seul chez moi, j'ai le réflexe de tousser comme ça. Vous devriez aussi l'avoir, vous. 1 sur... U2, ça fait 1 sur 2k, donc j'en passe n par 2. Moins 7 fois 2, ça veut dire 1 quart. Moins 14. Et ça va commencer à être moche, hein, ça. 1 moins moins 14, ça fait moins 50, ça va faire moins 55 sur 4. Je sens que ça va devenir vraiment moche par la suite. U3, ça fait 1 sur 3 au carré, moins 7 fois 3, donc ça fait 1 neuvième, moins 21, pour l'instant ça va encore, ça fait ça va faire moins 188. Sur 9. Ah oui, en fait, j'aurais dû un dénominateur en fait à chaque fois. Hein. 14 fois 4 est 56. Donc ça fait 1 moins 56 qui fait moins 55. Hein. Là, pareil, 21 fois 9, ça fait 189. Donc ça fait 1 moins 59, ça fait moins 188 sur 9. Voilà, s'il y en a qui se demandent comment vous êtes arrivé à cet état-là. Bon. On continue hein, avec U4 qui va faire 1 sur 4 au carré. Moins 7 fois 4, ça commence à être moche, ça fait 1 sur 16 moins 28, comment il va faire pour faire ça, ça, ça. On paraît que je le calcule 16 fois 28, alors vous allez voir, celui qui vient entre les deux au milieu, ça doit être 22, ouais c'est 22, 22 carré 484, et 484 moins 36, alors quand on va... Ça fait 448. Ouais. Donc votre truc, ça fait 1 moins 448 sur 16, donc ça fait moins 447 sur 16. Et toc, on paraît que ça fait ça. On paraît que ça fait ça. Attendez, pourquoi je vais chercher la calculatrice? Non, attendez, parce qu'avant vous allez me soupçonner d'avoir triché pour l'autre, le suivant. U5, donc ça va faire 1. Sur 5 au carré, donc ça va faire 1 sur 25, moins 7 fois 5, donc moins 35. Ah, bah là, ça va être plus simple à calculer en fait. Oui, puisque disons, là, ça fait 3, ça fait 900 moins 25, ça fait 875, donc ça fait moins 875, ça fait moins 874 sur 25. Voilà, j'aurais mis au ménateur, là, ça fera 875. Donc 1 moins 815, 814 sur 25. Voilà. Pause. Je vais aller chercher la calculatrice et vous vérifier que vous montrez que c'est faux. Bon. Alors, 1 sur 16 moins 28. Pouf. Attends, je demande à ma fonction. Moins 447 sur 16. Et boum. 1 sur 25 moins 35. Allez, on convertit en 1. Moins 814 sur 25. Et voilà, c'est pouf. Ça va, j'ai la forme aujourd'hui. Bon, ça c'était pour la partie petit a. Bah maintenant, il y a ce petit b hein, quand même. Bah oui, hein. Ça comme quand c'est que du petit a, moi. Les 5 premiers termes. Donc ça va, hein, c'est pas mal, ça fait de U1 jusqu'à U5. Hein. Mm-hmm.
Alors, le petit B. Regardez comment comme il triche là, il prend le temps d'effacer le tableau là pour ajouter du temps. C'est un peu comme je rajoute dans des épisodes, etc. On blinde avec du temps mort. Vous remarquez qu'en cours, j'efface aussi le tableau. C'est pas un truc, tableau magique, pop, pop, tuk, 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 le cours s'affiche, parce que sinon il pourrait 300 à l'heure. Donc, alors. Et puis il faut aussi que j'aille regarder l'énoncé. Donc, VN. C'est pareil, donc le synchrone terme. Donc là, par contre, on peut prendre la négation 0. 5 facteur de n plus 2 au carré moins 3. Alors. VN, donc ça fait 5 facteur de 0 plus 2, donc ça va faire 2. Donc ça fait 5 fois 2 au carré. Moins 3. Donc c'est V1, ça. V0, pardon, V0, V0, parce qu'on commence à néga 0. Donc là, attention, les premiers termes, justement. Dans le précédent, les 5 premiers termes, comme le néga 0, on ne pouvait pas. Les 5 premiers termes, c'était U1, U2, U3, U4, U5. Et là, les 5 premiers termes, ce sera V0, V1, V2, V3, V4. On a V4. Ce sera le cinquième terme. Le premier, c'est 0, donc V4, c'est le cinquième. Attention. Bon, bref, ça nous fait 5 fois 2 au carré 4, enfin 20, 20 moins 3, 17. Boum. Le suivant. V1. Ça fait 5 fois 1 plus 2 au carré moins 3. Et là, je vois venir des gens en mode Ah oui! En identité remarquable, je développe là, plus B au carré, là, je me dis, j'ai identité remarquable, c'est quand vous en avez un qui est inconnu. Quand vous avez des A, des B, des lettres, quand vous avez des nombres, faites directement 1 plus 2, ça fait 3. Ne faites pas le coup d'identité remarquable. 1 plus 2, ça fait 3, 1 mètre au carré. Non, mais il y a des gens, je vous assure, ils le font. Chaque année, j'ai droit. Je fais ça dans mes premiers contrôles de calcul avec une seconde. J'aime bien mettre un truc comme ça et j'adore voir quels sont ceux qui vont développer l'identité remarquable. C'est vicieux et cruel de ma part. Les gazon rue qui font plein de gens qui font comme ça, quoi. Donc 5 fois 3 au carré 9, 5 fois 9, 45, 45 moins 3, 42. Voilà. Maintenu. Et donc V2, V3, V4, je reste encore. V2, ça fait 5 fois donc 2 au carré. Enfin, ça va être 2 plus 2, 4. Donc, ça va faire 4 au carré moins 3. 4 au carré, 16 fois 5, 80, 80 moins 3, 77. V3, 5 fois, ça fait 5 au carré, du coup 3 plus 2, 5, 5 au carré, voilà. 5 au carré, 25 fois 5, 125, 125 moins 3, 122. Et V4, ça fait 5 fois, donc 4 plus 2 au carré, 36. 4 plus 2, 6, donc ça fait 6 au carré. C'est pareil, hein. Enfin, 6 au carré, 36. 36 fois 5, 180. Et 180 moins 3, 177. Voilà. Hop. On a attaqué les 5 premiers termes. Toc. Voilà. Bon, pause. Oh, je n'ai pas eu le temps là. Pause. Calculer le 18e terme des deux suites précédentes. Pourquoi le 18e? On va leur demander le 30e, comme ça. Alors, dans le premier, avec le UN qui commence donc à U1, le 18e terme, c'est U18, le 18e terme. Donc, ça fait 1 sur 18 au carré moins 7 fois 18. Je vous attends là. Voilà. 18 au carré, je sais que ça fait 324. Donc déjà, au moins, c'est déjà ça de gagner. Donc ça fait 1 sur 324. Moins 7 fois 18. Bon, ça se fait, c'est 126. Oui, 126, si je ne m'abuse. Oui, c'est 126. Bon, par contre, on en a, je vous avoue, hein, 324 fois 126. Je veux bien avec les nombres à deux chiffres. Je veux un chiffre. Par contre, 324 fois 126. Non! Sinon, je suis obligé de faire comme ça.
petit rappel comme ça de comment on fait avec la multiplication. 6 fois 4, 24, je retiens 2. 6 fois 2, 12, il y a 14, j'en tiens 1. 6 fois 3, 18, ça fait. Hop. 2, après, bon, là, ça va faire 2 fois truc, là, ça va faire 6, 48. Hop. Et puis après, il y a le 1, hop, hop. Il y a le 1 là, qui fait 3, 24, hop. Et on additionne tout ça, ça fait 4, 2, et j'en tiens 1. 8, et j'en tiens 1. 6 et 8, 0, et alors tu as 1 et 4, voilà, ça devrait faire 40 824. Donc votre truc là, ça sera donc 1 moins ce truc là, ça fera moins 40 823 sur 324. Merci. La calculatrice, hein? Pas hein. 1 sur 18 au carré moins 7 fois 18, tac, et je le mets en tchac, moins 40 823 sur 324, et top. Bon, ok, j'ai eu besoin de poser des calculs comme ça, j'ai pas pu le faire mentalement. Bon, allez, oh. Ça va. À un moment donné, je demande à quiconque d'être capable de me faire ce truc-là vraiment de tête. Voilà, 324x126, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment de truc de calcul mental. Ça. Tiens, l'autre là. Alors, par contre, le 18e terme, pour le VN, c'est quoi? C'est pas V18, c'est V17. Donc, on va regarder. V17, c'est lui le 18e terme, puisqu'on commence avec 0. Ça fait 5. Ah oui, ceux qui ont calculé le V18, vous avez raté. 17 plus 2, en plus c'est moche le meilleur nul. Hein. C'est pas, parce que tu vois, 18 plus 2, ça fait 20. Okay, c'est même joli. Hein. Donc ça fait 5 fois 19 au carré moins 3. Alors, 19 au carré, c'est 361. Donc 361 fois 5. Ça va faire 1000. Oui, attendez voir. 61 x 5, ça fait normalement 305. 305, donc ça va faire 1805, si je ne m'abuse. Moins 3, ce qui fait 1802. Vérification? Au carré moins 3 1802 et toc, voilà. Bon, ça c'était pour le numéro 9. Yip. Bon, vu que j'ai assez perdu de temps comme ça avec mes bêtises, c'est vrai que c'est vrai que j'ai un gros défaut en cours, c'est que quand j'ai des fois j'ai des petits calculs mentaux comme ça qui peuvent se faire, j'ai toujours un peu le besoin de le faire, qui doit faire un peu perdre du temps, et en même temps c'est parce que j'ai envie aussi de donner une certaine petite leçon. Du genre, la calculatrice, ça n'a pas eu le point à tout. À un moment donné, c'est bien de faire marcher sa tête pour faire du calcul mental. Voilà. Donc, l'autre, le numéro 11. Alors là, dans le numéro 11, c'est. Cette fois-ci, c'était les trucs qu'on a dit, la récurrence. On donne le premier terme et on vous demande donc les 5 premiers termes. Alors, si on dit qu'il y a que les 5 premiers termes, normalement, vous prenez le premier pour argent comptant. Donc, ça commence à 0 égale 2. Dans le numéro 11 là. U0 égale 2 et UN plus 1 égale 2UN plus 3. Donc vous voyez, c'est un premier terme de ça. J'ai déjà le premier, c'est U0 égale 2. Donc j'ai plus qu'à regarder U1, U2, U3, U4. C'est pas très précis. Normalement, quand on veut vraiment être précis, si on veut vraiment aller jusqu'à U5, dans ce cas-là, on dit calculer U1, U2, U3, U4 et U5. Mais parce que moi, dans les 5 premiers termes, j'ai déjà le premier qui est U0. Le deuxième, donc ça fait U1 égale, ça va me faire. 2 fois U0 plus 3, donc c'est-à-dire 2 fois 2 plus 3, ce qui fait 4 plus 3, 7. U2, ça va faire 2 fois U1 plus 3, donc 2 fois le résultat d'avant qu'on vient d'avoir, 2 fois 7 plus 3, ça fait 14 plus 3, 17.
U3, ça fera 2 fois. Bon, allez, à chaque fois c'est celui d'avant. Pardon, oups, bon, en plus c'est un égal. Donc en fait, vous comprenez qu'à chaque fois, j'ai fait. Quand on prend le truc comme ça de un plus 3, un plus 1 égale 2, un plus 3, ce qu'on fait, c'est le calcul par récurrence, c'est 2 fois celui d'avant plus 3. Donc je peux faire maintenant le calcul directement. Hein. Le celui d'avant c'était 17, donc 2 fois 17 plus 3, ça fait 34 plus 3, 37. Et enfin, U4, 2 fois 37 plus 3. Comme ça, vous comprenez le mécanisme. Donc, ça fait 2 fois 37, 74, plus 3, 77. Voilà, et toc. Et si on avait eu 5, ça faisait 2 fois 77 qui faisait 154, plus 3, 157. Voilà, mais bon, on va pas demander. Il y a un mix des deux, là, une sorte de terme général et de récurrence. Mais c'est pareil, hein, on va... Donc, on donne... Là, le premier terme, c'est V1. Donc là, on va aller jusqu'à O5. V1 égale 5. Vn plus 1 égale Vn plus 5n. Alors, là, il y a plusieurs. Donc, le premier, ça va donc, c'est V1 égale 5. V2, ça va faire donc celui d'avant, c'est-à-dire... 5 plus 5 fois, attention, ça va dépendre de n, donc n il vaut, ah, attention, c'est le n de ce n là. Un conseil, on va peut-être écrire comme ça, v2 c'est v1 plus 5 fois 1, parce que c'est pas ce n là, c'est le n qui est ici, d'accord? Donc du coup v2 ça fait 5 plus 5, ça fait 10. V3, ça va faire V2 plus 5 fois 2. D'accord? C'est le N qui est là. Donc ça fait 10 plus 10, ça fait 20. Ça va faire 10 plus 10, 20. V4, ça va faire V3 plus 5 fois 3. C'est-à-dire ça va faire donc V3, 20. 20 plus 5 fois 3, 15. 20 plus 15, 35. V5, ça fait V4 plus 5 fois 4. Donc V4, c'est le 35 qui est là. Plus 4, 5 fois 4, 20. Donc 35 plus 20, 55. Voilà. Ah bon, finalement, c'est encore plus facile à simple calcul, ce truc-là. Et voilà. Et toc. Fin des exercices. Elle le pourra passer à la suite du cours. Ok. Bon. Pour ceux qui sont en mode. Je suis le truc, bah à tout de suite, et les autres, bah tout à l'heure, voilà. Comme vous voulez, selon que vous avez. Ah non, c'est à tout de suite, parce que de toute façon, là, normalement, vous êtes censé avoir vu les trucs à présent, donc vous allez regarder, vous allez pouvoir regarder la vidéo suivante. À tout de suite, donc.